Joseph Vacher, Henri-Désiré Landru, le docteur Marcel Petiot. Ces noms ne vous disent peut-être rien, et pourtant, ils sont responsables de la mort d'au moins 50 personnes. Ces hommes sont des tueurs en série français. Leurs crimes ont marqué l'histoire, la presse, la police, la criminologie. Mais qui sont ces vrais monstres que les films et les romans mettent en scène? Leurs gestes sont-ils réfléchis? Ou découlent-ils de problèmes mentaux? Nous allons effectuer un voyage qui débute à la fin du 19e siècle jusqu'à l'après-Seconde Guerre mondiale, en passant par la guerre de 14-18, à la découverte des tueurs en série français. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce second numéro de Voyons. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux tueurs en série français. Les tueurs en série hantent nos rêves et nos esprits, mais au fond, savons-nous réellement qui ils sont? Adriano Boucher-Levallois est un passionné d'histoire qui va nous éclairer sur ces hommes à la fois passionnants et effrayants. Ladies and gentlemen, bienvenue dans Voyons ça. Adriano, qu'est-ce qui définit un tueur en série? Alors déjà, il faut distinguer un tueur en série d'un tueur de masse. Un tueur de masse va tuer beaucoup de personnes dans un temps beaucoup plus court. C'est les terroristes, les Bataclan. Un tueur en série, lui, va tuer beaucoup de personnes également, mais dans un temps beaucoup plus long, qui va de quelques jours à toute une vie. Adriano, nous sommes actuellement dans l'ancienne cour de l'asile de Béva. En parlant de folie, qu'est-ce qui pousse ces hommes à commettre de telles atrocités? Eh bien, ça dépend. Il y en a qui tuent vraiment avec un désir de tuer, ils ont le plaisir de tuer. D'autres, c'est pour des raisons sexuelles. Et il y en a quelques-uns, assez peu, mais qui tuent sans vraiment aimer ça. C'est pour des raisons purement financières. Avec le cinéma, on connaît beaucoup de tueurs en série américains. Mais en France, qui est le premier tueur en série? Alors ça, c'est une question un petit peu compliquée, parce qu'on considère que les tueurs en série ont toujours existé, mais on n'a pas beaucoup de preuves. Donc on peut citer par exemple Elisabeth Báthory, en Hongrie, qui aurait tué je ne sais combien de vierges pour rester jeune et belle. Mais là, on est plus dans la légende. En France, nous, on considère vraiment que c'est Joseph Vacher, l'éventreur du Sud-Est, le tueur de berger, qui est notre premier tueur en série à nous, français. Pour découvrir qui était Joseph Vacher, cliquez ici. N'oubliez pas, déposez un petit pouce en l'air, laissez un commentaire, abonnez-vous, ou sinon, Joseph viendra vous rendre une petite visite. À vous de voir.